5, 4, 3, 2, 1, parfait. Comme précédemment, le robot de Galileo avance petit à petit. Le robot squelette essaye de placer ses éléments, mais je ne sais pas s'ils sont compatibles. Ils ne sont pas complètement placés. Ah, le labo. Le labo de Galileo a été correctement placé. Il s'attaque au deuxième de son côté. Il va absorber les différents éléments. Et en attendant, Galileo est toujours fan de son propre totem. En revanche, il semble que le robot de décollecteur le robot de Galileo, a encore du mal avec le totem. Peut-être faudrait-il arrêter le robot, je ne sais pas. Je ne sais pas si les poissons, si le totem est amené complètement déjà dans la cale. Donc, je tiens quand même à préciser que ça fait la troisième fois que Galileo active le terrain à ce niveau-là. Vous aurez compensé à effectuer quelques réajustements sur le robot. En attendant, le robot de Comet s'est arrêté alors qu'il avait quasiment avalé notre thème. Mais il a eu le temps quand même de passer un anneau dans le terrain. Quand ça arrive. Le match vient donc de se terminer. Les deux robots étaient déjà à l'arrêt depuis quelques secondes. Les arbitres vont pouvoir procéder au montage des points. Désolé.